Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarkonk pour un nouvel épisode de Terranil. On va se faire la carrière abandonnée. J'avais commencé. Du coup, je l'abandonne. J'ai fait bavure. Je me suis laissé tenter par le jeu. J'ai cliqué sans enregistrer. Ça, c'est parce que j'avais plus de café. Je reconnais. Oula. J'espère que l'épisode rendra bien. Donc la première étape de toute tentative de restauration d'écosystème consiste à faire revenir l'eau et la vie végétale. Pour commencer, végétaliser cette vallée en utilisant des épurateurs, des pompes à eau et des irrigators. Ok. On a changé le texte aussi. Pour habiter ces terres, vous aurez besoin d'éoliennes pour produire de l'énergie, d'épurateurs pour nettoyer le sol, de pompes à eau pour remplir les rivières, mais créer une forêt tempérée ne va pas de soi. Il vous faudra recourir de... Sinon ça, on l'avait déjà lu, je crois. Enfin, je dis ça, j'ai déjà oublié, forcément. Ça, alors c'est pour le coup, c'est pas du tout la même dégaine que celle sur laquelle j'ai joué avant. L'autre c'était plus une île avec de l'eau sur les côtés. Moi c'est parti, hein. ça part pour des dingueries tout de suite. Hein. C'est-à-dire j'ai du budget, j'ai plus de budget. J'avais du budge, et ben j'en ai plus. Ok, on va se la pomper, hein. On va se la pomper. Ah oh là là, bon, moi il me faut toutes les cases. Hein. Oh, regardez-moi ça. Avec un petit taux d'hygrométrie qui monte. Hein. Formidable. De toute façon, on va falloir le monter à plus de 90. Bon, les saumons, tout ça, tout ça. On va essayer de vous mettre bien les saumons, vous inquiétez pas, faut que je la mette tout là-haut pour avoir tout. Et ben, je la mets tout là-haut. Même si je gratte deux cases, je m'en pète. Ah, est-ce que ça va être un drame? Oh, c'est un drame, je peux pas. Sad. Moi, je vais continuer mes délires. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir en mettre un là. Hein. C'est pas... Ah, ça, c'est embêtant. Du coup, ce qui m'intéresserait plus d'en avoir un ici. Je vais en positionner un là. C'est moi ce qui m'arrange pour l'instant. C'est d'avoir un maximum de cases de rivière. Voilà. Ouais, mais si je me mets là, je peux pas reposer une éolienne ici. Quoique, déjà, attends, je crois que je me suis mal... Déjà, je suis mal placé. Tu m'en positionnes une là. Et une là. Merci. Oui, je vais plus avoir de budget en 2 secondes. Ouais, bien sûr. Hein. C'est tout à fait le cas. On est d'accord. Hein. Scred, genre en loose. Je le mets, hein. Je le mets évidemment, évidemment que je le mets, hein. Y a pas de question. On a bien remonté notre humidité, hein. On est bien, hein. On est carré. Hein. Oui, alors attends, toi je peux peut-être te placer là. Parce qu'en vrai, voilà, j'ai juste besoin que t'atteignes cette. Ah, je peux pas. Impérativement que tu sois genre là, sinon je peux pas l'atteindre. Ouais, sinon je peux pas. Ok, bon bah c'est joli, c'est joli, c'est joli. Ici c'est pas très concret, mais c'est joli. On a évidemment des ensemenceurs de nuages et des déshumidificateurs pour faire rechuter. Faire rechuter, après est-ce qu'on a vraiment besoin pour l'instant? Non. On n'a pas d'objectif de température. Non. Bon, on est plutôt tranquille en vrai. Enfin, moi si je me mets pas en PLS
Évidemment, tout seul comme un couillon, on sera pas mal. Oui, on peut tenter un truc comme ça là. Ah, je... C'est du plus bel effet. Je sais pas, c'est pas forcément très pratique d'aller le chercher. Peut-être abandonner ce petit bout de colline là où, on dit qu'on n'a plus beaucoup de budget dans la maison. Moi, je veux bien les croire. Hein. Boum, on en a un peu plus. Voilà. Je vais d'abord jouer un peu sur du terrain conquis, hein, j'ai envie de dire. Wow, même là, carrément, on va chercher un peu des deux côtés. On va te chercher toi là par ici. C'est pas déconnant. On pourrait aussi aller se chercher une petite explosion comme ça. Je pourrais te placer toi? Non, du coup, je peux pas. Parce qu'il va nous falloir de la caillasse par ici. Il va nous falloir de la caillasse par là. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de faire ça. Voilà. Là, vous débloquez le succès, jouer à Minecraft ou je sais plus quoi. C'est quoi le succès si jamais. Si jamais je l'ai. Minecraft, c'est la vie. Voilà. Tac. On aura donc une petite éolienne par ici. Pas sûr que ce soit très convaincant, mais. Là, ah oui, mais non. Parce que tout ça nous a coûté du budget. Poète, poète, poète. Poète. Yes, pas très pratique. Plus 28 ici, on peut quand même gratter des trucs. Ah oui, quand même, on peut même faire plus que gratter quelques trucs. Oui, on a un petit parti de biome à régénérer carrément. Vas-y, je prends. Floraison de fleurs sauvages, regardez, c'est très joli. On a des biniou qui vivent, on a des petits moustiques. Je crois que c'est des abeilles qu'ils ont voulu faire. Ouais, c'est des petites abeilles qu'on a. 34. Oui. Pas les gratter un petit bout de terre là, voilà. Petit bout de terre aille vite fait là. Ça, toi, quand je te pose, je gratte un peu quand même. 52. Ah oui, je gratte moins. Il faudrait peut-être presque même que je te mette par là. Ouais, parce que moi, je couvre tout le top. Allez. Oh, on joue sur les réserves. Hein. On joue déjà sur les réserves. C'est insupportable. Hein. Je commence à me demander comment je fais pour me supporter moi-même. C'est intolérable. Je vais encore me mettre échec et bac parce que j'ai trop claqué de ressources. C'est insup, hein. C'est insupportable, hein. Ah, on va craindre un petit bout de végétation, ok. Bah ouais, et puis là on va se faire moins 8, hein. Un super méga utile. Très bien. Très bien, mais on peut faire mieux. On peut aller chercher. Ouais, ça par là. Je pense ça par là. Je pense pas que je vais exploser celui-là. Enfin, il faudrait que je l'explose. Ouais, non, même pas en vrai. Non, ce qu'il faudrait peut-être, c'est. En vrai, l'idéal, ça serait faire sauter celui-là. Et de le faire tirer vers de l'eau, mais là, en fait, en gros, ça serait de le faire tirer par là, avec un canon. Mais il m'arrange tellement pas. C'est une dinguerie. Il m'arrange pas du tout, hein. Son placement, il est abject au possible.
Non, j'ai pas besoin de me mettre genre comme ça. Si, bref, ouais, vaguement. Ouais, c'est vraiment si on veut un bon tapissage, c'est-à-dire un bon gaspillage comme d'habitude, hein, évidemment, de mes ressources. Voilà, regardez, j'ai trop de ressources, hein, ça change pas, hein, visiblement. Ouais. Visiblement, les ressources sont infinies dans le jeu. Hein, je me déteste un peu moi-même. Hein, quand je vois ce que je fais des fois. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Oh, il y a un style. Oh, il y a un petit style, y a un petit style que j'aime bien. Va pour 65. Voilà. J'aimais bien le petit style. C'était pas parfait, mais j'aimais bien son style. Oui, ceci dit, oui. C'est même. Bon, ce sera comme ça. Ok. Alors, comment on se le rentre? Comme ça, Zinedine? Celui-là, il faudrait qu'il saute aussi, en fait. Le problème, c'est que je peux le faire sauter que là, ce qui sera un petit peu trop proche. Ah! Peut-être un truc là, hein. Ouais, on a vite fait un truc. Bon. Il me faut des parcelles. Hein. Là, faut que ça rentre, les gars. Faut arrêter les conneries. Hein. Faut arrêter les knarfangueries. Là, faut que ça rentre. Hop là, comme ça. Ça rentre. Un peu de pognon, on est bien. Je vais recaler un par ici. Normalement, voilà, je prends 69. Ah, oh, je peux peut-être même mieux faire. Je peux peut-être faire 70. Ah non. 69, c'est non négociable, visiblement. Ah, 70, 72. 72, 72, ouais, j'ai pas mieux. Allez, 72. 30%. Ah, supérieur à 30% pour le retour des oiseaux. D'accord. D'accord, d'accord. Ça marche, Hector. Ça, on a dit... Ouais, on n'a pas dit grand chose là-dessus. On dit ça nous emmerde un peu. Parce que celui-là, il faudrait que je le fasse sauter pour aller là-bas. Mais encore une fois, j'ai pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ou alors ça nécessitait genre un budget un petit peu énervé. Genre. Genre canon. Pour avoir de l'eau. En sachant que je suis en hauteur. Oh, laisse tomber. Hein. Donc il faudrait que je canonne plutôt par là. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça l'idée. Faut que je canonne. Ok. Genre comme ça. Quoi? C'est une blague, l'eau elle va pas plus loin? Genre le réservoir il est juste là? Putain, c'est dégueu. Ah, c'est peut-être à cause de la chaleur volcanique. Je peux me faire sauter le... Ah, je peux me le faire sauter, ok. Parce qu'après, l'idée, c'est donc de le tirer, genre, par là. Eh ben c'est bien de la merde ce que j'ai fait. Parce que je peux pas aller le chercher, le transformer en flotte. Là il faudrait que je puisse le transformer en flotte et je peux pas le faire. Résultat, je me suis bloqué tout seul. Sauf si je redynamite là. Et qu'on arrive à obtenir une caillasse quelque part. Ah, on a rien obtenu, genre du tout. Genre vraiment. Genre, ma vie est nulle.
Je me suis bloqué. En tout cas, je me suis bloqué de ce côté-là, pour l'instant. Budgétairement, on peut pas faire mieux. Ouais, on essaie d'en poser juste un. C'est moche que je fais, hein. C'est moche, mais bon, c'est. On court après une optimisation. Mais c'est moche. Hein. Sachez que c'est moche, c'est honteux ce que je fais. Vous avez le droit de le marquer en commentaire. Honteux. Voilà. Oh, les trous qu'il y a, non mais c'est horrible. C'est horrible de faire ça. Tout ce segment-là aussi qui nous met dedans. Hein. Peut-être pouvoir le faire notre objectif, c'est peut-être pas tout à fait c'est peut-être pas tout à fait la loose. 55 quasi je les prends, je m'en fiche. Pas encore peut-être parfaitement la loose. Même si ça ressemble un petit peu trop à mon goût, plus ça, vas-y je le prends. Alors, quand il te reste 1%, est-ce que t'as pas un peu le démon? Les 2 heures. Moi je crois que je connais déjà la réponse. On va aller chercher ça par là. Et ouais, on va aller chercher ça. Ah, c'est trop loin. C'est embêtant. Oui, non, bon, on va aller chercher comme ça. Tant pis, on aura une part de terre un peu morte derrière, mais ça le fera. Allez, on couvre. Voilà. Maintenant, bon bah c'est le classique, hein. Faut créer des fibos, des machins, des bazars, des patacoufins. Secours. Et j'ai pas de budget. Voilà. Ma réponse à la question, c'est j'ai pas de budget. Voilà. Oh, parfait. Ça t'était destiné. Ça a vraiment réduit le coût. Pas ici. Ah, ça a réduit le coût de celui-là. Peut-être le moment de faire des trous dans la terre. Hein. Il détruit pas autour de lui, si il détruit autour de lui, hein, c'est ce que je me disais. Ça peut être intéressant de faire ça. Déjà notre lac, ça sert à rien de faire péter des grandes zones. Bah ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà. On a conquéri une nouvelle zone. Ah ouais, mais je peux même pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant, il faut vraiment que je trouve des points d'une manière ou d'une autre. Genre faire des petits marais là.
à ce petit marais qui régale à 100 points là. Ah. Moins 15, tu nous intéresses pas. Plus 28, on prend. Voilà. T'ajoutes à la liste. On a une petite zone de marais tranquille. Avec sa petite source de magma. Tu vas bien. Tout ça, c'est pas très intéressant. Ah, toi peut-être, ouais. Plus 24, mais il faudrait que j'arrive à verdir un peu plus cet endroit. Ah non, bon, en fait, j'ai. Alors, attends, j'ai genre juste pas le choix. Parce qu'en fait, j'ai pas de. J'ai pas d'espace plus verdoyant que ça. J'ai rien à me mettre sous la dent. Ouais, si, j'aurais pu aller gratter ça. Ouais, si j'ai gratté ça là. Il me faut des pluies. On peut avoir des pluies. À plus de 70%, on peut avoir des pluies. Il va falloir de la pluie. Il n'y a pas à discuter pendant 107 ans. Il va falloir faire tomber de la sauce. Hein. Il va falloir que ça sauce. Hein. Faut que ça sauce, faut que ça régale. Oui, on va pas trop se mettre non plus. Là, on va chercher le point un peu, hein, j'avoue. On va chercher un peu de points. Tac, comme ça. Non, c'était plutôt comme ça. Moins 10, moins 12, moins 100. Et ça comme ça. Je pose ça un peu comme un gros sac, hein, mais c'est parce que là, ça n'a pas grande importance. Alors, si j'ai assez de points pour aller poser toi pour essayer de bien faire, hein, ça va même pas être forcément une réussite. Ah, 112, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas ça que je veux faire. Toi que je veux faire. Plus 25. Plus 55. Ah, c'est pas assez. Hein. Ah, le jeu, t'es gourmand. T'es gourmand là, le jeu. Hein. T'es coquin un peu. Hein. Moins 19. Bon, oh, moins 19 avec les scores que j'ai. Hein, vas-y. J'ai un peu de points. À moins 44, par contre, c'est vraiment. On fait vraiment pour deux cases. C'est un peu dommage. Pourquoi on le fait pour deux cases? Vraie question YouTube, pourquoi on fait ça pour deux cases? Il va falloir que j'ouvre encore tout ça, il va falloir que je fasse quelque chose ici. Évaporateur, oui, mais je peux aussi. J'oublie la moitié des choses que je fais, hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Pop. À base de pop. Plus 0, ouais, moi je le voudrais dans le sens, voilà, parce que je peux faire plus 1. Oh, plus 2 même. Oh, plus 4. Oh, attends, je suis un dingue. Plus 5. Oh, il se passe des choses. Plus 6. Oh là là là, mais il se passe tellement des trucs de fou. Il essaie d'avoir pour juste plus 6 points. Hein. Vous voyez mon degré de j'ai plus de thunes comme d'habitude. Cool. Alors, t'es en train de me dire que pour faire ça, il va falloir que je. Ah, cette fois-ci, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire d'abord des fleurs, puis après on va brûler, etc., il va d'abord falloir faire des forêts. Ah oui, en plus. Ah ouais, alors attendez, faut pas que je me fasse savoir parce qu'il y a une histoire de taux d'humidité. Faut faire ça avant qu'il y ait trop d'humidité. D'accord. On va quand même se claquer ça. Voilà, plus 11. Et on a notre quota. Voilà. On a nos marais. On est bien. Comment vous appelez ça un finboss là, je sais plus quoi. Une zone humide. Un finboss, c'est quoi? C'est ça, finboss. Ok. Ouais, une prairie, quoi. Prairie fleurie, ma gueule. Il faut d'abord que je fasse ça. Et donc, pour faire ça, bah, faut cramer des trucs. Qu'est-ce qu'on a envie de cramer comme zone? Moi je dis cette zone là on a bien envie de la cramer, hein. Je sais pas pour vous, hein, mais moi je suis chaud, hein. Je suis chaud pour la cramer celle là Ah, mais j'ai pas de cible valide. Parce que en fait il faut impérativement que je brûle des fleurs. En fait, il faut impérativement que je brûle ça.
Contraintes résilient un brûlage dirigé, d'accord, ouais. Mais il me faut créer ainsi une végétation fleurie de type Finbos. Comment je déclenche un incendie? C'est une bonne question, ça. Je tentais un truc vite fait, hein. Je reposais ça là. Et il n'y a aucune cible valide jamais. Alors là, par contre, Coco, je vois pas comment je te crame ton bazar. Ou alors, tu me dis, miraculeusement, on peut brûler des zones humides. Hein. Voilà, on peut pas brûler des zones humides. Dans mes objectifs climatiques, fougères sur les rives. Ça me permettra pas de les brûler. Floraison des nénuphars, ça me permettra pas de cramer quoi que ce soit. Ration, et alors plus, encore moins. C'est une vraie question. Avec un déshumidificateur, par exemple? Non, une idée comme ça. Hein. Parce que si c'est pas ça, je vois pas comment... Je vois pas comment je crame la maison, hein, sinon. On teste. Hein. Ah bah, tant qu'il est posé, on teste. Mais je vais vite être dégoûté si c'est pas ça. Hein. Allô. Voilà, merci. Il veut pas que je crame des trucs. Hein. Ah, je suis à 6 sur 6 ici, je peux plus rien poser. Ah merde. Bon, au moins ça. De toute façon, il nous faut un peu d'espace, hein, si on peut cramer, si on peut foutre une forêt. Tac, tac, tac. Le deuxième humidificateur, il est ici. Moins 9 degrés, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on aura ici? Ici, on a un bel espace. En haut aussi, à la limite, hein, tant pis, hein, on cramera... On cramera tout s'il faut. C'était ici. Voilà. On va se placer dans un coin où il n'y a rien. Là, ici, il n'y a rien. Si, si, ça c'est une zone valide. Ah, voilà, ça c'est une zone valide, frère. Qu'est-ce que tu me fais? Alors? C'est toi qui n'es pas valide. Ok, je vais avoir trop posé mon bois. La bonne nouvelle. Ah, ça fait une petite forêt. C'est dommage. On va faire une petite forêt. Plus 1, plus 48, plus 35. Allez, plus 48. Ça fait une jolie petite forêt quand même. Moins 69 dans les deux cas, c'est pas grave, on va en poser deux. Le moindre bout de bois, je prends. Moi, je cramerais bien cette zone-là, mais sur cette zone-là, il n'y a rien. Quoi que ceci dit, t'es posé hein, de toute façon, hein, donc... Est-ce que je mettrais pas genre un truc comme ça? Oh, regardez, de la verdure. Moins 28. Ouais, moins 28, mais je gagne de la verdure, donc je prends. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à aller poser ça pour vraiment avoir une grosse forêt, hein, le plus gros possible. Même si j'ai l'impression que le jeu est très très gourmand en objectif. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tapisser... Ah! Merde, ça c'est dommage que je viens de faire. Ça c'est... Excusez-moi, on va faire ça dans l'autre sens. Hein. Genre... Voilà, tu regardes par là-bas, mais voilà. Arrose la forêt, c'est très joli. Voilà. Et toi, tu me brûles ça. Ah. Toi, tu me brûles ça. Fais-y un peu d'effort aussi, les gars. Ouais, pas dingue l'effort, hein, mais pas dingue, hein, vraiment. Vraiment, ça nous arrange pas de ouf. ça nous arrange tellement pas même. On va profiter pour se faire des petites prairies. On appellera la petite prairie. Ah, il y avait un arbre porteur de ruche par là, je crois. Bon, c'est pas grave, celui-là. Voilà. Doit y en avoir un autre qui doit traîner par ici, voilà. Plus 23 à la limite, ça peut attendre. On va attendre qu'on plante celui-là. On voit ce qu'il y a à prendre. Moins 53, mais c'est pas grave, on le prend quand même. Qu'est-ce que ça coûte cher le bout de bois, hein.
Waouh, la forêt. Eh, tu nous arranges pas beaucoup, hein. Il n'y a pas un arbre ici. Ah ouais, moins 14. Bon, ça n'a pas d'intérêt, ça. Pas d'intérêt. Et par là, il n'y en a aucun. Moins 21, ça n'a pas d'intérêt non plus. Ok. Là où on se trouve un peu embêté de ce côté-là, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est la zone exploitable. C'est vu que je peux pas exploiter toute cette zone-là. Parce que je me suis bloqué tout seul. Comme un gros con. Ah, quoique, tout seul comme un gros con. Ah, quoique, tout seul comme un gros con. Peut-être des choses qu'on peut dire, hein. Par contre, l'eau qui refuse de se déverser me fout, met tellement dedans. Si vous saviez à quel point ça me met dedans. Et puis on est au max en plus. Ah bah super, je peux plus rien construire. À cet endroit-là, je peux plus rien construire en fait. Donc c'est cool. Parce que si je pose. Ah, ça c'est 25. Ouais, mais j'ai rien pour l'alimenter, c'est relou. C'est relou, je suis en train de tirer sur. En train de tirer sur des trucs. Ça sert à rien, je sais pas le. Ça n'a aucun intérêt ce que je fais. Moins 1, moins 2. Waouh. Ça n'a aucun intérêt. Là, ça se demandait si en fait j'essaye pas de faire un rush pluie. Et une fois que j'ai regagné des points avec la pluie. 10. Ouais, bah 19, on va le prendre. L'argent, on va pas discuter. 55, fougère sur les rives. Hyper important. Non, on s'en fout. Nous, il n'y a qu'un seul truc de toute façon qui nous intéresse. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Donc on va laisser la pluie nous faire des points. Donc c'est le grand moment de stress du jeu. Café quoi? Ah c'est. Ah, les points qui rentrent tout seuls. Oh, regardez ça comme c'est beau. Ah, ça c'est beau, hein. Je vais pas en placer pour l'instant. 71%, on a presque tout. Faut que j'augmente encore un peu notre humidité. Hein. Je vais le faire. Non, non, parce qu'attends, il faut pas que je l'augmente là. Il faut que je le rabaisse. Faut que je le redescende parce que les forêts, c'est hors de propos. Et les feedbots c'est hors de propos. Donc une fois que c'est couvert, tapissé de verre. Une fois que c'est tapissé de verre, il faut que je refasse descendre la température. Il y a toute cette zone là aussi où sur laquelle j'ai rien tiré. Ce qui aurait pu être intéressant d'ailleurs. On aurait pu faire un petit truc genre. Genre on prend toi là, fais coucou, je tire par là, quand même je tire un peu plus béton comme ça là. Pas trop dans un coin à la limite, ouais quoi que si. Et l'idée on te fait sauter toi juste à côté, c'est ça. Comme ça je pourrais avoir un bon truc de magma, mais pour ça il faut que la pluie s'arrête. Parce que j'ai l'impression que la pluie est en train de me remplir mes cours d'eau. La pluie est en train de remplir mes cours d'eau. Ah, du coup, ce que je viens de faire. Ça m'arrange pas pour l'instant, il me faut du magma. Il va falloir qu'on attende 2 saisons de pluie. Parce que j'avoue, si je peux éviter de me priver de cette zone-là entière, je serais content. Bon, après, là, on peut déjà faire des choses. Hein. Là, on peut se rajouter les bouts de forêt qui manquent. Non, je crois que même pour les forêts, attendez, je crois que même pour les forêts, on est coincé, hein. Ah ouais. Bon, on reste dans une zone tolérable, hein, dans tous les cas. Mais on va essayer de se faire descendre ça un petit peu, puisqu'on a, ouais, 700, on aura 715 après l'utilisation de ce canon.
Allez, cool, petit magma cool. Voilà. Ah, tu coules pas plus loin que ça. Non, mais t'es sérieux. Ah, c'est pas une blague qu'il a l'air de me faire là. Pourtant, moi j'ai vraiment l'impression d'entendre une blague. Hein. Alors, si je mets une pompe là, ça coule où après? Bon. On va dire que c'est pas notre problème pour l'instant. Hein. Ok. On se dit ça? Ok. Donc. Il me faut. Bah ouais, il me faut toi. Tu peux pas te mettre genre. T'es vraiment genre, tu prends trop de place en fait, c'est chiant. La sub est largement valide, c'est pas un problème. Puisque nous, on va refaire descendre de 9 degrés à la température environnante. Let's go. Et de l'humidité, excusez-moi, c'est l'humidité qu'on peut faire redescendre. Voilà. Oh, faut que ça prenne bien. Hein. Faux. Excusez-moi, on revient en arrière. Faut d'abord que je pose ça. Voilà, faut d'abord que je pose ça. Faudrait que j'en pose deux. J'en pose un, j'en pose deux. J'en pose deux. On a le budget, j'en pose deux, comme ça on est safe. Ouais. On fout une case à cramer me suffit. Voilà. Pour le tout. Voilà. Non, non, faut pas que ça pleuve tout de suite, hein. Il me faut d'abord des bouts de bois. Moult bouts de bois, voilà. Est-ce qu'on peut avoir moult insectoïdes? Voilà. En exploitant une demi-map, hein, finalement. Finalement, on aura exploité que la moitié d'une map. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Oui, non, on va se poser là. Très joli, hein, du plus bel effet. Ah, on a tout, on a le petit drone et tout. Oh là là, c'est incroyable. Ah non, il va falloir mettre des poteaux. Ah non, il m'emmerde. Ah non, 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 ça m'emmerde. Ça, c'est hors de question. Le poteau va mourir. Oui, pose ça ici, très joli. Très très joli. Oh, faut déplacer des cailloux. Non, mais ça, par contre, ça vraiment. Hein. Ah oui, c'est un jeu de chill. Placer des cailloux, malade. Ça va pas, non. Du finboss des marais, j'ai quelque chose par là. Ah oui, non, ça va être en hauteur. Mais tout va être en hauteur, je suis coincé. toutes mes fleurettes sont en hauteur. Du coup, je suis coincé. J'en ai pas en bas. Hein. Genre là, si je. Voilà. J'ai rien ici, on est d'accord. Ah non, c'est bon, c'est compte. Ok, d'accord. Il est pas relou. Il est pas. Pas comme ça. J'ai un nonage qui est heureux. Les coins-coins. Alors là, j'ai pensé à vous. Hein. Ce petit lac. Hein. Du plus bel effet, les gars. Plus bel effet. Rivière, des trucs comme ça. Oh, vous êtes pas relous. Mais comment ils sont pas relous aujourd'hui? C'est incroyable. Alors moi, j'ai mis des trucs ici. Alors là, il faudrait de la forêt. Avec des piquettes. Est-ce que vous, les piquettes, ça vous irait? Non, c'est moyen bof, hein, c'est pas terrible. Hein. Peut-être plus ce coin-là, mais ce coin-là risque d'être en hauteur et le jeu va pas vouloir. Il va se dire oui, mais c'est franchement en hauteur. Est-ce que ce monde est sérieux? Voilà, ça l'intéresse pas de fou, quoi. Sinon, j'en ai planté déjà là, je crois, des biquettes. Ouais. Je peux mettre un loup là-dedans? Obsolète. Ah, c'est parce que j'ai déjà planté. J'ai déjà planté les ours. On va peut-être éviter de vous mettre à côté des ours. Hein. Ça va mal tourner pour vous sinon. Est-ce que je peux être un Bambi là-haut? Ouais, est-ce que je peux être un Bambi en bas?
Bof. Bambi me dit bof. Comme ça, Bambi? Obsolète. Il n'y a pas d'espèce par là. Ok. Bon, il valide, il valide. Est-ce que maintenant je peux essayer de caler un loup par ici? Voilà. C'est plié. Écosystème parfait. Rien à ajouter. Paf. Into paf. Tout est parfait. Il ne nous reste plus qu'à à augmenter l'humidité jusqu'à 90% et plier les gaules. Hop. Humidificateur 5, 10, 10. Je prends 10%. 10% c'est accepté et acceptable. 19%. On est à 94% d'humidité. Il y a les deux humidités. Les deux évaporateurs là, ensemenceurs de nuages, ces deux-là, 19 et 19, hein, ils ont régalé hein, tous les deux. Tout est plié, tous les objectifs sont terminés, on va ramasser la maisonnée. Hein. On va ramasser, alors on va commencer à partir de là. Voilà. Le poteau suivant on peut le mettre que là. Ah oui, mais attendez, je crois que je peux faire des arnaques avec ça. Genre, on peut se croquer. Ah non, parce qu'ils m'ont pas mis les ils m'ont pas mis le ramassage. Ça me dégoûte. Hein. Ah, ça me dégoûte un hein, point. Tac. Into. Tac. Ah ouais, je vais me galérer. Ça va être une bonne galère. Hein. Je vous annonce, ça va être le défi du jeu, il est là en fait. Ce que le jeu ne vous dit pas. Mais sachez qu'il est là le défi. Hein. Il est nulle part ailleurs. Hein. Je peux attraper le. Même pas. Je vais mettre quand même un poteau ici. Parce que je le trouve sympa. Parce qu'on peut se faire un petit chemin par là, regardez. Un petit chemin, petit chemin. Oh, petit chemin jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. On est dingue. Hein. On est des fous, on est des fous. On pose un total ici, on pose un total par là. Voilà, on est des dingues. Hop, le petit chemin qui sent bon la noisette là. Hop. En zigzag. Personne n'aurait prévu le petit zigzag. Hop, la trigonométrie bien sûr. Triangle, trigonométrie, c'est pareil. Ils sont compliqués, c'est moi. Il va falloir que je ramasse tout ça et j'ai pas de caillou disponible. Alors si j'ai un caillou disponible, là. Ok, ok. On va donc plier les gaules de tout ce bazar. Hop, ramasse-moi tout ça. Voilà. Mets-moi un potal là. Ah ouais, mais attends. Lui peut déjà ramasser pas mal. Hein. Ramasse-moi ça. J'ai pas de potal ici, mais je vais pouvoir en poser un. Hop. Je vais en poser un ici. Je vais en poser un là pour faire un circuit. Ou si on voit pas l'utilité du tout, en fait, je le fais, mais j'en vois pas l'utilité. Ramasser tout ça. C'est eux qu'il faut que je pense bien à ramasser, parce que je sais pas forcément s'ils sont dans mon sillage. Hein. C'est pas... Ok, ok, ok. Toi, si je te ramasse, ça ramasse tout ça, mais pas eux. Mais eux, est-ce qu'ils sont ramassés? Lui, il sera pas ramassé, donc... Va falloir compacter. On met un compacteur d'ordures, ramasse-moi tout ça. Voilà. On se récupère un peu de matière première. Let's go. Oui, on va ramasser tout ça. Non. Total. Ouais, ça ramasse l'ensemenceur, c'est bon.
Je suis plus sûr que ça me l'ait pris. Ça me l'avait pris? Oui, ça me le prend. Et d'ailleurs, je sais plus si j'ai demandé son ramassage. Ah, ok, j'ai pas forcément cliqué, c'est ça? Si lui, oui. Là, non. J'avoue, l'avantage de l'avoir en drone et pas juste d'avoir en la circulation monorail, hein, c'est quand même. Ça aide quand même bien. Hein. Il y avait un petit nonoche dans la forêt là. Regardez, c'est un nonoche. C'est un nonoche. Voilà. Je l'ai pas. Ok, on ramasse un des poteaux. Tu peux ramasser celui-là. On peut ramasser celui-ci. On va vraiment arriver sur les derniers objets là. Bah, tu pourras ramasser celui-là avec sa petite pompe qui va bien. Je suis en train de me dire, est-ce que pour le 3 fest on passe à 100% d'humidité? Je reporte une petite éolienne. Jusqu'avant l'humidité. C'est un peu de l'abus, genre c'est vraiment l'endroit, il n'y a plus que de l'eau quoi. Il n'y a pas d'air en fait, il n'y a que de l'eau. Je vais chercher le reste. Ah, il l'a pas enregistré. J'ai l'impression qu'il peut pas tous les enregistrer, au bout d'un moment il... Il passe au dernier, dernier qu'on lui a demandé en ignorant ceux qui ont été enregistrés précédemment. Voilà. Et ben on est bon. Avec la petite pluie là, ça régale ou pas? J'aime bien vraiment comment j'ai vraiment la moitié de la carte qui est pas exploitée du tout quoi. C'est vraiment d'un jeu avec un seul morceau. Ce qui est bien, hein, ce qui prouve quand même que avec un morceau, on peut avec seulement la moitié, on peut s'en sortir. Succès déverrouillé, réhabilitation à ciel ouvert. Voilà. Donc ici on est à 100% et puis on se retrouvera la fois prochaine pour l'archipel. C'était Knarfork sur Comme d'habitude Gaming pour Terranil. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao.